Bonjour à tous. Je reviens brièvement sur le dernier tuto question-réponse que j'ai fait pour la projection d'un objet sur un autre. Je vous avais parlé de la lattice. Je vais vous montrer une autre méthode qui est sensiblement la même, sauf qu'on ne va pas utiliser une lattice, on va utiliser un autre objet, un plan. Ça va être le mieux, mais là, dans ce cas-là, on va faire un plan circulaire, puisque la pièce est circulaire, on va essayer de donner à peu près la même forme. C'est mieux, on ne s'est pas obligé, mais c'est mieux. Allez, donc là, ce que je vais faire, je vais ajouter un maillage de type cercle. Je vais le passer à mon edit, lui faire un RX90. Voilà. Je vais le pousser ici. Je vais me mettre en face en vue 1. Je vais le réduire de manière à ce qu'il soit légèrement plus grand que l'autre, à peine. Hein. Et je vais lui faire ES. Hop. Je vais fermer et là je vais faire CTRL R, je vais bien le subdiviser, aucun problème parce que de toute façon on ne va pas le garder. Je vais faire objet définir origine vers géométrie et je vais venir le tirer ici au centre de l'autre. D'accord? Voilà. Maintenant je vais sélectionner les deux. Voilà. Je vais les tirer ici. Je vais me mettre en vue 3 et je les incline tous les deux. Ce ne serait pas une obligation, hein. Mais je le fais parce que ça aide un petit peu le truc. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais sélectionner ici ma pièce que je veux projeter et je vais venir lui mettre un modificateur. On avait mis contracté, enveloppé le premier coup avec pour la lattice. Enfin, non, on avait mis un modificateur lattice et après contracté, enveloppé pour la lattice. Et ici, on va lui mettre une déformation. Attendez. Voilà, je l'ai là. Déformation de surface. D'accord? Voilà. Et ici, la cible, je vais lui mettre le cercle. D'accord? Qu'on vient de créer là. Et je vais lier ici. Voilà. Maintenant, maintenant je vais faire un contracté enveloppé à mon cercle ici. Et vous allez voir que, exactement comme avec la lattice, la pièce va suivre et se coller. Voilà, ça revient exactement au même. C'est pas plus long, c'est pas plus court. C'est juste une autre méthode. Il faut savoir que ça existe. Voilà, donc, contracté, enveloppé. Voilà. Cible, le cylindre. Projeté sur Y. Et voilà. Et le tour est joué. Vous voyez, exactement pareil. Là, j'applique. Je reviens ici sur mon truc, j'applique, et là, je supprime mon cercle, et c'est bon. Et voilà, il s'est collé parfaitement dessus. Voilà l'astuce numéro 2 que je voulais vous montrer. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.